مهدي بن عطية. بن عطية يتواجد حاليا مع النخبة الوطنية بفارو بالبرتغال. بعثة القناة أعدت روبورتاج بهذا الخصوص. المهدي بن عطية الذي قدم مستويات عالية رفقة نادي روما استعاد كامل لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابات متفاوتة. Plus c'était la fin de saison, donc il y avait un peu de fatigue après une saison comme ça, mais ça a été une bonne saison dans l'ensemble. Donc voilà, là il va rester ses matchs amicaux avec la sélection, et puis après on ira se reposer en vacances. عميد الأسود صنع الحدث في سوق الانتقالات وأصبح هدفا لأندية أوروبية عملاقة. Je suis à la Roma, il me reste 4 ans de contrat. J'ai discuté avec les dirigeants de la Roma pour une prolongation qui ne va pas aboutir, je pense, parce qu'on est pas du tout d'accord. Je me sens bien à la Roma, je me sens très bien avec le coach, avec les compagnons de mon équipe. Après, j'ai 27 ans et j'arrive à un âge où les très grosses propositions des très grands clubs font réfléchir, parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs, comme tu as pu citer, que ce soit le Barcelone, Bayern Munich, Manchester City, je ne sais pas, il y a plein de clubs qui font rêver n'importe quel joueur de football aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis là, je suis en train de discuter, mon agent s'occupe de faire les rendez-vous, et en temps voulu, je pense très prochainement, on saura un petit peu plus. مباراة تلو الأخرى تزداد نجومية المهدي بن عطية الذي سيكون أحد أهم توابيت النخبة المغربية خلال المرحلة المقبلة. نواصل مع أجواء استعدادات المنتخب الوطني لنتقابل